Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire. La voirie du centre commercial de Macquarie est dégradée. Les riverains se plaignent de l'état de la route qui ne leur permet pas de vaquer à leurs occupations. Journée internationale des droits des enfants célébrée en Côte d'Ivoire. Quel engagement public-privé dans la lutte contre le travail des enfants? Élément de réponse dans ce journal. À travers le forum Doing Business with Côte d'Ivoire, le CPC favorise les opportunités d'investissement potentiel et des partenariats économiques entre les entreprises du pays et celles venues de Dubaï. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Une rue boueuse, de l'eau, des nids de poules, du sable. La voirie est dégradée. Nous sommes dans la rue du centre commercial de Macquarie. Quand tu vois, il y a trop de la nuit de poule là. Quand c'est comme ça là, quand tu roules là, tes amortisseurs, tes rotules là, ça se casse. Hein. Surtout quand il pleut là même là, c'est pas la peine, mais on ne peut pas passer ici. On est obligé de dévier souvent pour venir sortir sur la rue secondaire là. Mais quand c'est comme ça, tout ça là, c'est même pas bon. Là. Les riverains se plaignent. L'état de la route ne leur permet pas de vaquer librement à leurs occupations. Avec l'état de cette voie, vraiment, ça fatigue la population, ça fatigue vraiment même les chauffeurs, les propriétaires de véhicules. On demande pardon pour que l'état puisse venir arranger la route pour nous, pour faciliter un peu. Là, on peut débrouiller un peu de passer. En attendant le soutien des autorités, piétons et automobilistes se déplacent, mais se déplacent difficilement sur cette route impraticable. Permettre aux entreprises d'explorer les opportunités d'investissement potentiel et des partenariats économiques. Tel est l'objectif du Forum Doing Business with Côte d'Ivoire, un événement organisé par la Chambre internationale de Dubaï en coopération avec le Centre pour la promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire, CPC. C'est un pas que je qualifierais d'extraordinaire parce que c'est la première fois que nous avons Dubaï Chamber qui vient en Côte d'Ivoire et qui vient avec une forte délégation d'hommes d'affaires. Donc le secteur privé émirati commence véritablement à s'intéresser à la Côte d'Ivoire. Le forum a permis la signature d'importantes conventions entre la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et Dubai Chambers International. Pour renforcer justement cette coopération, et nous avons jugé utile de cadrer les relations en faisant de telle sorte que de part et d'autre, nous puissions être justement la courroie de transmission entre les opérateurs économiques et le secteur privé ivoirien et les membres de la Chambre de commerce de Dubai Chamber. Several important points in the MOU. Il y a quelques éléments que nous pouvons déjà mentionner sur ce protocole d'accord. Et ces éléments, déjà, nous parlons ici des échanges. Et aussi le fait qu'il faut continuer à faciliter qu'il y ait plus d'investissements ici en Côte d'Ivoire. Panel et rencontre B2B entre chefs d'entreprise provenant de divers secteurs d'activité ont permis d'établir des partenariats économiques afin d'explorer de potentielles opportunités d'investissement. La célébration de la Journée internationale des droits des enfants n'est pas passée sous silence en Côte d'Ivoire. Le Festival international de la voix des enfants a tenu ses promesses avec l'appui de l'UNICEF et du ministère en charge de la femme, de la famille et de l'enfant. Cette initiative de l'ONG Jeunesse et droits des enfants s'est déroulée autour du thème « Engagement public-privé dans la lutte contre le travail des enfants ». Et il faut dire que le FIVE, c'est un ensemble d'activités que nous organisons. Ce sont des panels où l'engagement, le thème était « Engagement public privé dans la lutte contre le travail des enfants » qui a permis aux enfants de pouvoir apprendre à travers les différents panélistes que nous avons pu convier. Et donc, qui dit « Journée mondiale des enfants » parle de droits, mais parle aussi de l'éducation des enfants. Et pour nous, la meilleure manière de pouvoir célébrer cette Journée mondiale des enfants, c'est de mettre l'enfant au cœur des différentes activités que nous menons. 34 ans après l'adoption par les Nations Unies de la Convention pour les droits de l'enfant. Donc c'est une opportunité de donner de la voix aux enfants et c'est l'initiative de l'ONG Jeunesse Droits de l'Enfant d'appeler des enfants de conditions généralement modestes pour les mettre au devant de la scène, pour les honorer, pour leur rendre hommage, mais surtout pour leur donner la parole à travers des activités ludiques et à travers des discours. Et c'est quelque chose pour moi qui est très important. Et cela traduit les avancées qu'on a connues dans le domaine des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire au cours de ces 34 dernières années. Quand il s'agit des enfants,
Il n'y a jamais une activité qui ne réussit pas. Et je voudrais, au nom de Madame la ministre, féliciter le promoteur parce que s'occuper des enfants, c'est s'occuper de la vie d'une nation. Pour rappel, le Festival international de la voix des enfants est organisé chaque année à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, célébrée chaque 20 novembre. Qui peut pérenniser l'héritage du PDCI RDA d'Oufouette-Boigny après Henri Conan-Bédié? Pour les délégués PDCI de Grand Bassam, la réponse est Maurice Kakougui-Kawié. Pour eux, les 30 ans de présence continue au bureau politique font de l'actuel secrétaire exécutif en chef du PDCI l'homme idéal pour tenir les rênes du parti. Après un bon débat franc, courtois et sincère entre nous relativement au candidat le plus méritant au poste de président du PDCI RDA, portons notre choix et notre soutien au ministre Maurice Kakougui-Kawié. C'est une candidature de devoir et de reconnaissance, selon Maurice Kouan. Le porte-parole de Maurice Kakougui-Kawié estime que son mentor viendra pour préparer le chemin du futur candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Au moins, ça me rassure. Donc, moi qui viens de Yamoussoukro et Tatié Boakro, je dis que je soutiens Maurice Kakougui-Kawié pour la présidence. Quand viendra le temps de la convention, je vais me prononcer en faveur de qui est-ce que je vais apporter ma voix. Tout en exprimant leur soutien à Guy Kawié, les délégués PDCI RDA de Grand Bassam appellent le candidat Thiam à se retirer de la course à la présidence du parti pour se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur cette info et sur cetteinfo.ci.